Attends, c'est quoi ce délire? Faut choisir l'intelligence, machin, nana. On n'a pas besoin d'un mec intelligent, nous, il faut juste des bras et les pieds à la place de la tête, c'est bon. Ah si, pour les crâches. pour qu'il tape, quoi, voilà, c'est tout. Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes bien sûr avec notre prisonnier favori, Sofiane, bien entendu. Bonsoir Sofiane. Mesdames et messieurs. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur? Aujourd'hui, nous allons essayer de s'échapper de cette île maudite, puisque nous sommes sur Scum, le nouveau jeu de survie qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est le jeu du moment. C'est le jeu du moment. Donc, nous sommes dans Scum, ou cueilleur de baies simulator, c'est comme vous voulez. T'es où, toi? Appuie sur M, moi je suis en D2. Je suis en C1. Rendez-vous au milieu de B2, c'est bon? D2 ou B2? D2. D. D, D comme Dada. Voilà, D comme Daniel. Ok, D comme Daniel. Moi je suis en C1. Donc les gens, bien sûr, si vous voulez voir quelques petites vidéos avec Sofiane sur Scum, eh ben on compte sur vous pour faire péter un petit like sous la vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir, pas vrai Sofiane? Bien sûr, likez. Bien sûr. likez. Et je vous conseille aussi de venir faire un petit tour sur Twitch. Parce que on a commencé à faire une petite partie la dernière fois, c'était bien cool. Ouais, il était trop bien le live. Franchement, il y a eu des rebondissements et tout. Il y a eu quelques rebondissements. On a joué à Green Hell, donc c'était bien sympa. Donc n'hésitez pas à venir dans la description nous rejoindre. Ça ressemble beaucoup à DZ, tu trouves pas? Moi, je dirais ça ressemble un peu à tous les jeux de survie. J'ai eu une mauvaise expérience avec DZ, je vous le dis, j'ai eu une très mauvaise expérience. Mais il faut savoir remonter à cheval quand on tombe. Putain, quand même, la carte, elle est vachement grande. C'est dommage, on commence pas avec ouais, la carte, elle est vraiment super grande, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, elle est pleine de forêts. C'est forêt RP. Forêt RP. Randonnée simulateur. Non, franchement, moi, c'est ça qui m'avait saoulé dans DZ. C'est ça. Vraiment, c'est bien quand t'arrives aux abords des villes et tout, t'as du stress, tu regardes partout. Mais le temps de faire du point A au point B, c'est en harmonie totale avec la nature, quoi. Et ça m'avait saoulé un petit peu. Moi, je vous dis, la mauvaise expérience que j'ai eue avec DZ, en fait, je vais te raconter également à toi, Sofiane, et à vous, notre très cher viewer. C'était, je m'en souviens encore comme si c'était hier, tu vois. C'était un matin d'hiver. Il faisait froid dehors, très froid. J'avais allumé la cheminée, je m'étais mis au coin du feu et j'avais allumé mon petit DZ. Le petit rituel, c'était une grande histoire d'amour entre moi et DZ, hein, faut savoir. Hein. C'est le genre de jeu, tu vois, j'avais farmé, cochon. J'avais farmé au moins pendant 4-5 jours. 4-5 jours, mais j'avais pas croisé un gars, mon vieux. Pas croisé un gars sur la map. J'avais les toutes dernières technologies, j'avais des mitrailleuses, des tourelles sur les épaules, des gilets blindés, une vision de nuit, mon vieux, je voyais à travers les murs et tout. J'étais blindé. Et ce matin d'hiver, tu vois, je me levais comme tous les matins. Je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Il y a un gars qui est sorti de nulle part. Il était en slip avec une branche de bois dans les mains. Et moi, j'étais équipé, tu vois ce que je veux dire. Il est venu, il m'a mis 3 coups derrière la tête. Mon vieux, la partie était finie, Sofiane. J'étais déboussolé. Je savais plus où j'étais. Ça arrive souvent, ça, Nathan. Je savais plus où j'étais. S'en est suivi... Tu peux même donner un lance-roquette. Il pourrait mourir. S'en est suivi une petite dépression de 3-4 jours, tu vois. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais relancé DZ. Plus jamais. Jamais. Ouais, tu m'entends? Le gars, il a commencé le jeu, quoi. Il est arrivé, il a vu. Tiens. Tiens. Pas. Full stuff. Voilà. Depuis ce temps-là, j'ai plus jamais redémarré DZ de ma vie. C'était la mauvaise expérience que j'ai eue. Alors attention, hein. Maintenant, je dis pas que Scum, il y a eu beaucoup d'améliorations. Disons qu'entre DZ et Scum, il y a au moins, on va dire, il y a pas loin de 10 ans de recherche, cochon. L'équipe s'est inspirée de DZ, hein, tu vois. Il y a eu beaucoup de recherches. Ils ont pris les meilleurs développeurs et tout, mon gars. Et maintenant, donc le joueur peut faire pipi et caca, quoi. C'est la grande révolution. À la demande de la communauté, c'est ce qu'on cherchait tous, tu vois. Voilà, on veut que le joueur fasse pipi caca. Mais moi, j'avais kiffé DZ, hein, franchement. Et puis graphiquement, quand même, il est bien fait, hein. Franchement, la qualité, là, elle vaut un GTA. Graphiquement, il est très bien fait, hein. Là, Scum, franchement, là, il vaut un GTA. Ah oui, 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 oui. Franchement, oui. Ça vaut un beau GTA. Ouais, ouais. C'est vraiment beau. J'ai ramassé une petite baie. Je vais essayer de manger ça. Select. Il est pas en français, le jeu? Il est en chinois. Non, mais c'est vrai, on peut pas le mettre en français? J'ai mangé une petite baie et tout. Métabolisme. Alors là, waouh, mon gars. Je délire. Waouh, 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 waouh. C'est quoi tout ça? C'est chaud.
Il y a la température de ton corps. D'accord, mon gars, pas mal. Il y a des petits events et tout, ça a l'air sympa. Du craft? Ah, yes! On va pouvoir faire du craft, cochon. Ouais, c'est découverte totale, les gens, là, pour le coup. Ouais, franchement, il est bien fait, le jeu. Hein. Il y a les montagnes et tout, à perte de vue. Des pins à perte de vue, mon vieux. Des forêts. Laisse tomber. Comment il s'appelle ton jeu de chasse que t'adores? The Hunter. Limite, c'est des Hunter. The Hunter avec une map encore plus grande, mais le jeu il court mais le joueur il court moins vite. The Hunter Call of the Wild. The Hunter Call of the Wild. Sauf il y a pas d'animal. Sauf il y a pas de biche. Il y a pas d'animal, il y a pas de bouffe. Il y a rien. Le seul moyen de survivre, c'est de survivre. C'est un jeu contemplatif. Voilà, tu contemples. Non, sérieux, non, mais il est bien. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien boire. J'aime bien, mais ça fait une demi-heure qu'on joue, on n'a pas croisé un gars, quoi. Ça fait un quart d'heure, c'est vrai qu'on joue, on n'a rien. J'ai même pas vu un papillon encore. Attends, je vais mettre un peu en vue à la première personne. Ah yes. Eh, tu sais qu'il est beau en vue à la première personne, hein. Attends, oui. Je vais peut-être crafter un truc, cochon. Si, regarde, je peux crafter un espèce de petit outil en pierre. Ah oui, Nathan, j'ai oublié aussi de te dire. Tu sais, ouais. Imagine-toi. T'es hyper lourd. Ouais. T'as plein de trucs et tout dans ton inventaire, t'es hyper lourd. J'ai pas mal de pierres là. Non mais je te parle, t'es hyper lourd et tout, t'as des Thompson sur toi, des trucs. Et non. Tu vas aller nager. Oui. Bah tu vas couler parce que t'es trop lourd. Bah ça va, ça fait vrai quoi. Ah, non fait, mon gars. Tu peux lancer des coups de pied et tout. Bah oui. Par contre, il est où mon outil que je viens de crafter là? Bah, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu, putain. Je suis un espèce de camp militaire ou quoi là? Où ça? Ben, juste en bas de... Ah, putain, en bas de D2. Regarde, en dessous du point d'eau, il y a une tache orange. En dessous de ton point d'eau. Ah oui, t'es là-bas. Et ben, je suis là. Oui, attention, si tu rentres dedans, il y a des robots, ils peuvent te menacer et te buter. Attends, j'ai trouvé une caisse. Attends, je suis blessé, je suis en train de perdre toute ma vie. Mais mon gars, mais on peut ramasser que des cailloux ou il y a autre chose des fois, non? Bah, quelquefois, tu peux trouver des cailloux. Quelquefois, tu peux encore trouver des cailloux. Je te jure, tu fouilles dans les buissons, tu ramasses des cailloux, tu fouilles dans les caisses, il y a des cailloux. Tu tapes un arbre, il y a des cailloux qui tombent. Ah, ça y est, regarde. Oh, bah alors là, mon gars, bah j'ai trouvé une AK-47, mon vieux. C'est vrai que c'était l'un des trucs les plus rares. Sérieux? Bah je l'ai trouvé. Ouais, c'est hyper rare. J'ai pas de balles, mais je peux faire peur. Je peux faire peur aux joueurs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Camera lens. Je crois dans le jeu, il y a même pas de comment dire. De quoi? De véhicule. Je crois, hein, je suis sûr, mais normalement il n'y a pas de véhicule. Possible. Attends, j'ai ramassé une caméra lens, cochon. Donc comment, est-ce que je peux peut-être l'équiper Add to quick access. Non. J'ai trouvé une échelle, mon gars. Oh, j'ai trouvé à manger. Je sais pas ce que c'est, mais je le mange. Non, j'ai trouvé une batte de baseball. Attends, oh putain, j'ai une batte de baseball, mon gars. Attends, je suis à côté d'un espèce de garage, Sofiane. Ah! Écoute! Sofiane! Quoi? J'ai entendu une espèce de vache meuglée ou je sais pas! Nathan, tire une balle! Mais j'ai pas de balle! Regarde, je tire une balle! Attends avant de la tirer, attends! J'ai pas de balle! Ah, je te vois! Saute! Oui, je te vois, regarde à ta droite! Regarde à ta droite! C'est tout ou c'est pas toi? Je sais pas, peut-être, c'est moi. Peut-être. Et sors de la maison! Déjà, est-ce que t'es dans une maison? Bah non, moi je suis devant, je t'ai dit j'arrive! T'es pas dans une maison? Bah non. Ah bah c'est pas toi alors mon gars. Tu sautes là? Bah oui là je suis en train de sauter depuis tout à l'heure. Y'a un mec avec nous Sofiane. Arrête. Saute. Vas-y fais un ami avec lui peut-être. Saute ou quoi? Ouais. Ouais mais toi tu me prends qu'à chaque fois, je suis sûr c'est toi. Non, je te jure c'est pas mon... Y'a un mec. Je suis encore long. Y'a un mec Sofiane. Hello man, friendly. Attends, je crois qu'il veut faire friendly, attends je vais essayer de faire friendly. Il est en train de monter, il est là. Je vais le niquer. C'est toi ou quoi? C'est toi ou quoi? Tu te fous de ma gueule, c'est toi, bâtard. Arrête. Casse-toi. Je savais que t'étais en train de me pranker. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux, là? Arrête, bâtard, va. Putain. Mais t'as... Tu te provoques. Comment ça? Eh mon gars, tu m'as enlevé de la vie, hein. Ah ouais? Ouais, je te dois un coup.
dedans d'un coup, je suis mort, il m'a 10% d'HP. Arrête! Viens, il y a peut-être des trucs par là. Je suis en train de mourir, ma jambe elle est cassée, putain. Mais arrête de sauter partout si ta jambe elle est cassée, il y a des trucs pour descendre. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à nous donner des astuces dans. Ouais, des petites astuces. Ça nous ferait on connaît rien, nous, on est un peu des noobies. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc... Oh, c'est quoi ça? Un classique notebook? Non, mais je m'en fous ça. Oh, mon gars, j'ai trouvé une banane. La donne? Non, mais une banane. Que tu mets autour de la taille, pas une banane à manger. Oui. Oh, j'ai trouvé un ciseau. Ah yes, c'est putain, je peux mettre des trucs dans ma banane maintenant, tu vois. Je suis mort. Arrête, t'es sérieux ou quoi? Je te jure, j'ai glissé, je suis tombé. Mais non. Je vais peut-être devenir un zombie, attention. Tu vas peut-être devenir un zombie. Ouais, quand tu meurs, tu deviens un zombie. Arrête. Eh, regarde, Sofiane, franchement, là, je suis en train de... Oh, j'ai trouvé un flingue. Ouais, c'est le mien. Non, bah, ça m'étonnerait, ce prank, mon vieux. Là où je l'ai trouvé, c'est certainement pas le tien, non? Putain, mais j'ai pas de balles, mon gars. J'en avais ramassé des balles, il me semble. Ouais, mais quand tu trouves les balles, après, faut trouver le chargeur. Je peux pas les combiner avec le flingue? Non, faut trouver un chargeur pour pouvoir mettre les balles dans le chargeur et ensuite tu mets le chargeur dans ton pistolet. Non, t'es sérieux? Vas-y, viens, on va au point d'eau, vite. Appuie sur espace pour te déplacer dans l'eau. Espace? Un espace, ouais. Ouais, bah, tu sautes, quoi. Ouais, bah tu t'es plus rapide. Par contre, putain, je nage cool comme une pierre, mon gars. Je crois que je suis trop lourd. Si je lâche espace, en fait, je coule. Ah ouais, je coule, mon gars. T'es trop lourd. Grave. Oh, mon gars, j'ai trouvé un fusil à pompe, alors. Menteur. Sumito. Mon gars, j'ai trouvé un fusil. Dégage de là, Sophia. Putain, j'ai pas de place, je peux pas le prendre. Vas-y. Oh ! Ah si, je peux le prendre. Par contre, je vois tout gris là. Ah ouais, pas la même. Hein. Franchement, c'est relou. Hein. Ouais. Putain, j'ai rien pour couper. T'as un truc non, pour pas... couper. Mais non, tu fais clic droit et couper. Ah ouais, c'est... faut peut-être des ciseaux. Tu peux me faire un bandage ou pas ? Attends, patch wound, c'est ça ? Ouais. Je suis en train de me patcher, mon gars. Ouais, mais non, mais ça a rien à voir, Sofiane. Je suis à 19% de vie, mais ça va pas me faire revenir ma faim si je me mets un bandage. Le fait qu'on perde de la vie, c'est parce qu'on a faim, tu vois. Mais non, c'est pas la faim, c'est la blessure. Mais quelle blessure? C'est la blessure qu'on s'est fait au pied. Nathan, viens vers moi. Attends, je regarde s'il y a pas un fusil à pompe, là. D'accord, mais donne-moi mon fusil. Donne-moi le fusil à pompe. Donne-moi tout ce que t'as. Comment ça? Bad karma! Enculé, va! J'avais pas cru que t'aurais voulu me tuer, bon. Mais je te tuais pas là! Putain, c'était pour déconner là! En plus, si tu m'aurais. Je suis sûr, tu m'aurais mis une patate. Jamais! J'aurais jamais fait ça! T'avais sorti tes poings! Non! T'es prêt à me tuer! Non! Jamais! Le cerveau, il est un peu vide, hein. Franchement, on a croisé personne. Bah, t'es fou toi, un peu! Bah, j'aurais dit complètement, ouais. Rien. Il y a 40 personnes sur le serveur, on a croisé personne. Personne. T'as vu la taille de la map, mon gars? Franchement, un cube déjà, ce serait trop grand. Dis-t'en. Regarde, ouvre la map, mon vieux, et compte un peu le nombre de villages et tout comparé aux hectares de forêt. C'est clair. Comment tu veux qu'on se croise? Les trucs oranges, c'est les villes. Les trucs oranges, voilà. Les trucs oranges, c'est les villes. Et le reste, c'est des hectares de forêt, de montagne. Ah bah ouais, mon gars, la map, elle peut être immense, hein. Au final, si tu rassembles toutes les villes que tu les mets côte à côte, je suis sûr que t'as même pas un carré. Après, on peut pas trop juger parce que c'est une bêta, tu vois. C'est pour la vie des joueurs. Voilà. Bon, Rust, c'est toujours une bêta, mais bon. Ah non, Rust, il est sorti officiellement il y a pas longtemps, je crois. Rust, je sais pas s'il est sorti officiellement. Non, je crois que c'est toujours une bêta. Bêta ou alpha. C'est 15 ans que c'est une bêta. Ça fait 15 ans que c'est une bêta. Et peut-être un jour ce sera une alpha. Non, bah justement, on dit d'abord l'alpha et ouais, après c'est la bêta. Après, il va retourner en alpha, c'est pour ça. Ouais, après il retourne en alpha. Il refait un tour. Avec le temps, ouais, si. Il revient en arrière. Et grave. Ah, c'est quoi ça? Yes, putain, on peut fouiller dans les poubelles et tout. Des rochers. Oui, je les ai vus, ouais. Tu ressembles à un tribal, mon vieux. Oh, regarde, j'ai trouvé des trucs là. Ah, je viens de trouver des oursins dans l'eau. Regarde, moi j'ai trouvé des trucs, hein. Il y a même des oursins dans l'eau. À mon avis, ça a été looté ici. Oh putain, je viens de trouver un fusil à pompe, mon gars. Et dès que t'as des battes de pompe, tu fais clic, tu les prends et tu les mets dans la chambre. Battes de baseball. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans le jeu, tu sais, c'est qu'il n'y a pas assez d'animaux, tu sais, tout ça.
Ce serait stylé, hein, en fait, tu crois. Bah, c'est pas qu'il y en a pas assez, quoi. C'est qu'il y en a pas du tout. C'est qu'il y en a pas, quoi. Non, mais peut-être qu'ils vont en faire. Peut-être qu'ils vont en faire. Faut arrêter cette mauvaise langue comme ça. Ils vont peut-être en faire. Je peux te dire que le jour où ils vont sortir la mise à jour, où va y avoir des biches, mon vieux, on va être en train de se battre pour les voir. Putain, va être pire que le zoo de Beauval, là-dedans, on sera tous agglutinés sur une biche. Mais je suis bugué, là. Comment ça, t'es bugué? J'ai trouvé des toilettes, moi, mon gars. Alors Attends, je me suis noyé. Ouais. Et ensuite, je dirais que je suis en train de récupérer toute ma vie, mais je suis allongé, je suis mort. Arrête, t'es sérieux? Yes, putain, de la sauce tomate. À plusieurs thés, peut-être, tu vois bouillir qu'un bouillon. Il y a un truc, Sofiane. Il y a un robot? Non, ça doit être un zombie. Putain, je vais enfin avoir du fight, mon gars. Ça fait 3 heures qu'on joue. Hein. Pour l'instant, on a vu des pissenlits, de l'herbe, des rochers. Il y a un zombie, mon gars. Yes, yeah, je suis en D2. Arrête, t'es en D2? Oui. Je suis en D1. Ok, il arrive. Il va courir ou quoi? Oh putain, il arrive, Sofiane. Des champs pipi. Mon gars, prends ça dans la gueule. Merde. C'est ton gars, ça se voit. Ça. Attends. Oh, il court au ralenti, mon vieux, il court en slow motion. Il court en slow motion, mon gars, c'est tellement stylé. On dirait qu'il fait exprès de courir en slow motion. Tiens, mon gars. Je suis en D1. Oh, je l'ai niqué. Il était à peu près où, en D1? Il était en train de courir en slow motion, c'était tellement stylé, mon gars. T'es à peu près où, en D1? Je suis en D1 en haut à gauche. Non, mon gars, j'ai des chaussures et tout. Bon. Juste à continuer tout droit, j'arrive. J'ai pris son t-shirt, j'ai pris ses grolls, j'ai pris son jean. Tu peux le découper en morceaux et le manger. Ah ouais? Ouais, mais si j'ai rien pour le découper. Bah, tu peux pas. Bah voilà. Et il y a une ville en D1, je sais pas si tu vois. Tu sais, il y a une grosse ville en D1 juste après la sortie des deux. Ouais, je vois. C'est communication de routier, mon vieux, on dirait deux routiers qui parlent ouais, bah oui. En CB. Ouais, tu vois, c'est ce que je dis. À D2, t'as vu, il y a une petite ville, un point rouge. Tu le vois, toi aussi? À D1, moi, je te parle. Ah. Moi. Je te parle à D2 parce qu'à D1 il y a une grande ville et moi je suis hyper loin. Elle s'appelle Gorica la ville. Cochon. Gorica. 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 Gorica mente. Gorica. 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 J'arrive à Gorica alors. Ouais, je suis à Gorica. Tu vois tout en haut à gauche de D1. Tout en haut à gauche de D1. Ouais. Ouais. Et, tu vois, il y a une ligne blanche. Oui. Bah, moi je suis cette ligne blanche jusqu'au premier point rouge de D2. Ah ouais. Ouais, en fait, t'es loin, quoi. T'es bah, trop loin, quoi. Laisse tomber, mon vieux. Eh, bah attends. Mais tu te rends compte, toi, faut combien de temps pour retraverser la map là-dessus? Bah, faudra faire une vidéo. Faudra faire au moins un let's play pour juste passer un carré, quoi. Juste pour passer un carré. Faut un let's play de 10 saisons. Non, mais laisse tomber, quoi. C'est pas possible, quoi. La map, elle est immense. Mais ce qu'il y a, c'est que la map, elle est immense, mais elle est vide. Elle est vachement vide, c'est quoi. C'est clair. Ah. Ça sert à rien de mettre une map. Bah grande. Ouais, ça sert à rien de faire des maps aussi grandes s'il y a rien, quoi, je veux dire. Il y a des zombies. Franchement, ça aurait été stylé, il y aurait eu ça. Attends, écoute. Ah, mais c'était pas une vache qui meugle tout à l'heure que j'entendais. C'était un zombie, en fait. J'ai trouvé un ciré jaune, mon gars. C'est de trouver du soin. J'ai trouvé une barre énergétique, une barre de chocolat. Ne... Mange. Ouais, je vais manger ça. Oh, ça, je m'en fous, hein. Non, ça, je m'en fous. Essaye de trouver un ciseau pour déchirer tes affaires et te déshabiller. Comment je la mange? Hit! Vas-y, je la mange. C'est bon, j'ai trouvé le bumper. Yes! C'est bon, j'ai mangé la barre d'énergie, là. Oh, putain, j'ai trouvé des pâtes, mon gars. Un couteau de boucher. Non. Si, un couteau de boucher, mon gars. Arrête! Sérieux? Il y a un robot géant. C'est pas vrai! Ça commence à être bien, là. Tu vois, c'est au nord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D1, je suis juste à gauche. J'ai trouvé du soda. Drink all, vas-y. Voilà, j'ai tout bu. Non! T'as été fier, hein? Mais comment qu'il boit, mon gars? Il s'en fout partout. En fait, il s'arrose le t-shirt. Ce délire. Il s'en met sur le ciré. C'est chiant, mon gars. C'est des androïdes, je crois bien, nos bonhommes. J'ai trouvé des pompes. Yes. Arrête! J'ai trouvé des médicaments, mon gars, des painkillers! Je pense que je vais en prendre!
Oh, j'ai pris 2 balles, ça fait mal, ça fait mal. Take medication. Ça va peut-être me soigner ma jambe, mon gars. Attends, oh, il y a des trucs dans la douche. Vitamines, je vais les prendre, vas-y. Vas-y, je vais manger toutes les vitamines. Attends, mais il mange ça comme des cacahuètes, le gars, mon vieux. Je vais l'arrêter, je crois. Comment je fais pour l'arrêter? Voilà. Nathan. C'est... Ouais. Le robot, il m'a donné un coup de pied, il m'a mis un high kick, je suis mort. Arrête. Je suis en train de me faire un bandage, là. Ah, je récupère de la vie, ça marche, les bandages, un peu, non? Cache-toi derrière un arbre. Attends, j'ai récupéré une noix, je vais la manger. Il y a un zombie, mon gars. Je crois que ça y a fait le bandage que j'ai mis, tu vois, elle remonte 22. J'en fais des bandages et je vais me soigner. Ça y est, je commence à bien comprendre le jeu, Sofiane, là, franchement, là. Ça commence à devenir intéressant quand tu te stuff, hein. Ah oui. Quand tu tombes sur les villages et tout, ça devient vraiment intéressant, quoi. Je vais manger les bandages, des petits haricots. Est-ce que ça allait mieux après? Ouais, ta vie elle remonte tout doucement. D'ailleurs, ma jambe, elle est plus malade, là, elle va mieux. Allez. Mais par contre, je peux plus utiliser de bandage. Alors, si je peux pas en utiliser, c'est peut-être parce que justement. J'en ai pas besoin. Vie, je mange. Vas-y, je mange des vitamines un petit peu là. Est-ce que je peux peut-être manger les pâtes? Vas-y. Je mange les pâtes. Oh là, et les pâtes, mon gars, il les mange cru, hein. Il est ouf, lui. Oh, je suis en train de dégueuler. Oh, il est pas bien là. Ah, je suis pas bien. Ah, ouais. Ah, bah là, je suis pas bien là. Tu fais quoi, Nathan? Eh bah, tu fais clic droit et patch of wound. Mais le truc, c'est que moi, je peux pas me patcher parce qu'en fait, je vais bien, je crois. Ouais, sûrement. Bah, sûrement, ouais. Par contre, il y a un zombie là, je pense que je vais me le faire. Allez, je me heal. Allez. Yes, le jeu. Oh, le bâtard! Quoi? Il t'a tué? Non, il m'a pas tué. Pas encore. Ça va, on a de la chance parce que les zombies, ils courent au slow motion, tu vois. Oh putain, il m'a... Oh putain! Barre-toi! Sofiane, je vais crever! Non... Si! J'ai plus de stamina! Oh, j'ai fermé la porte! J'ai fermé la porte, mon gars! Bah, ma jambe, elle est toujours jaune, quoi. Faut peut-être attendre que... tu te soignes ou quoi. Oh, ce délire, mon gars! J'ai perdu un peu de vie, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Un short, un chapeau... Ouais. Un petit pull? Ah, yes! Wow. Excellent! Est-ce que si je fais équipe le short... Ouais, yes. Ah ouais, yes. Mais ta vie, elle remonte pas doucement, là, Nathan, à ce stade. Regarde, mon gars. Je peux reprendre des trucs, là. J'ai un petit pull en coton. J'ai des petites chips. Ouais. Par contre, je suis pas bien, là. Je suis dans le mal, là. Tu vois, patch of wound. Là, je peux me bander. Là, je peux me bander parce que ça va pas très bien, tu vois. Oh, non. Arrête. Zir, arrête. Sérieux? J'ai un gilet pare-balles. Non, t'es sérieux? Je te jure. Est-ce qu'il y a un cycle jour-nuit sur ce jeu? Là, tu vois, moi, je vois un peu en noir. Je sais pas si je vois en noir et blanc ou si ça fait nuit. Ah si, ça va faire nuit. Ça va faire nuit parce que les lumières s'allument. Faudrait que je trouve un sac à dos. Je suis sûr il y a moyen de trouver un sac à dos ou quoi. Je viens de trouver des batteries de voiture. Non. Pour recharger sa voiture. Donc il y a des voitures. Logiquement, il devrait avoir des voitures. Il me faudra un sac à dos maintenant, là. Moi, il me faudra un gun ou une arme, n'importe. Ouais, moi, il me faudrait vraiment une mitrailleuse, tu vois. Ouais, moi, il me avec munitions illimitées. Et si je pouvais trouver un hélicoptère aussi, ce serait pas mal, quoi. Je vais essayer d'augmenter un peu le gamma parce que je trouve vachement le jeu sombre. Ouais, c'est sombre, hein. Vas-y, je me casse de là, Sofiane, y a pas de sac à dos ici. Putain, le temps, il est dégueulasse, mon gars, ça flotte. Nathan, t'as du 15mm ou pas, comme balle? Non, mais j'ai pas de balle, moi. J'ai pas de balle, j'ai un fusil à pompe, mais j'ai pas de balle. Y a un drone qui me guette. Et c'est quand même pas mal parce que, bon, entre les hectares de forêt, t'as quand même deux, trois petites cabanes et tout. Ça va, quoi. Le problème, c'est qu'il y a que 2-3 petites cabanes. Ouais, c'est un peu ça le problème, quoi. Tu vas, Nathan, t'es en D1 tout en haut, c'est ça? D2 tout en haut à droite, sur la route blanche. Ouais, bah descends. Tu vas descendre tout droit. Moi, je suis tout en bas. De quoi? Je suis vraiment à la limite, hein. T'as à manger ou pas? Pour moi, s'il te plaît, j'ai faim. Alors, je vais t'apporter 2 réponses. Oui, j'ai à manger, mais pas pour toi. C'est trop faim. Ah ouais, mon gars? Eh bah, je peux te dire qu'il y a des champignons, hein. Allez, viens, mon fils. Je vais te nourrir, allez, viens. Ah, c'est bon, mon pied il est réparé. Allez, viens, mon enfant. Oh, fils de... Arrête! Fils de... Arrête! Viens! Arrête! Qu'est-ce que tu veux, fils de...
Arrête, Sofiane. Karim. C'est un joueur? Oui, il m'attaque, Nathan. Un joueur? Ouais, un joueur. Et je peux pas venir, Sofiane. Ma stamina remonte là. Il t'a tué, t'es mort. Bah, je sais pas pourquoi il m'a donné un coup. Rapparaît sur moi. Bah, j'ai pas de points, j'ai plus de points, j'ai plus rien. Bah, t'es où là? T'es où? T'es en quelle case là? Je suis pendant A4. Oh, A4? Oh non, bah vas-y, on arrête. C'est fini. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là. En tout cas, franchement, bien le jeu quand même. À force de jouer et tout, tu vois, à force de se mettre bien. Franchement, bien. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous procurer le jeu, il est sur G2A. Rendez-vous dans la description. Nous, on vous dit à très bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye. Au revoir, Sofiane. Au revoir, mesdames et messieurs.